Bonjour à tous, Othmane Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, démarrage statorique de temps de sens. Composant schéma de commande, transformateur 230 à 24 volts. Disjoncteur bipolaire Q3. Contact NF de relais thermique F1. Bouton poussoir NF S1. Bouton poussoir NO S2. Bouton poussoir NO S3. Bobine KM 24 volts KM1. Bobine KM 24 volts KM2. Contact NO de KM1. Contact NO de KM2. Contact de relais temporisé 5 secondes de KM1 NO, premier sens. Contact de relais temporisé de KM2 NO, deuxième sens. H1, premier sens. H2, deuxième sens. H3, signifier le fonction de relais thermique. Astérisque composant schéma de puissance. Moins 3 linges de phase. Fusible sectionneur tripolaire Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Contacteur KM1 premier sens. Contacteur KM2 deuxième sens. Relais thermique F1. Résistance triphasée R1. Le moteur asynchrone triphasé M2. Fonctionnement. Astérisque fonctionnement de montage. Astérisque une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Le verrouillage du contacteur KM1 met sous tension le moteur à travers de résistance triphasée R2. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM3, celle-ci ferme sec contact de puissance qui court-circuite la résistance triphasée R2. Un action sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM2 qui donne la même cycle décrit précédemment mais la moteur tourne dans le sens contraire car il y a une inversion de deux phases du circuit de puissance. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Remarque, astérisque une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2 et de KM1, le moteur s'arrête. Astérisque les discontacteurs KM1 et KM2 sont verrouillés mécaniquement et électriquement afin d'éviter les courts-circuits entre phases.